Et quand je vous disais qu'il allait faire froid, je vous ai pas menti. Et ouais, c'est de la gelée, les amis. Voilà, de la belle gelée. Voilà. Les petits bouts de glaçons. Il a bien gelé cette nuit. Bon, bah, dans l'ensemble, moi, ça va, j'ai pas eu froid. Par contre, se réveiller par un ciel clair comme ça et. Des oiseaux, c'est magnifique. Voilà, mon sac est prêt. Voici où j'ai dormi cette nuit. Tout est propre. On voit pas de passage. C'est nickel. Mon panneau solaire à l'extérieur du sac qui recharge ma batterie nomade. Et puis, ben, on va y aller. Yep. Voilà, jour numéro 2. Donc, départ pour le second trek. Normalement, c'est... J'y vais. Peut-être même... Bourrin. Je vais essayer de pousser jusqu'à Bourrin. Voilà. Donc ça, c'est le bois où j'ai dormi. Alors, c'est gai, c'est de se réveiller avec ceci. Regardez-moi ça, ce beau soleil. Franchement, ah ben, c'est plaisant. Regardez. Plus de pluie, plus rien. Franchement, c'est vraiment plaisant, plaisant, plaisant. Alors, si vous cherchez de l'eau, oh purée, c'est beau là. Ah ouais. Oh, dommage que j'ai pas accès. Bon, bah, je vous montre. Est-ce qu'on va la voir, la cascade? Elle est où? Yep, elle est là derrière moi. Je tourne la caméra. Là, voilà la cascade. Elle coule là. Ah, regardez ce que j'ai devant moi. C'est pas franchissable. Et le brin. Bon. Donc voilà. Je me disais, tiens, je vais parler un petit peu aux récoltés de l'eau. Et comme de fait, ben voilà. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour récolter de l'eau. Le cimetière. Alors, hors hiver, bien sûr, que j'ai eu la blague quand j'ai fait un départ de trek, le dernier trek, j'étais dans un cimetière, il avait gelé, les robinets étaient fermés. Donc, il y a cimetière, ça peut arriver qu'il en ait dans les églises, les gares, tout ce qui est WC public, mairie, pleine de jeux. À défaut un café, mais si vous êtes comme moi en nature, voilà, il y a ce style là. Maintenant il faut que vous puissiez passer ici, c'est inondé tout le long, donc je peux pas y accéder. De l'eau, il y en a partout, il faut juste savoir et puis avoir un petit peu de culot. Donc là j'ai passé en ville normalement dans quelques kilomètres, donc si j'ai pas trouvé d'eau avant, je m'arrêterai dès que je vois un badaud, donc quelqu'un qui est dehors. Je lui demanderai s'il peut me remplir mon camelback. Moi, j'aurai de l'eau pure.
Donc vous voyez, des situations comme ça où trouver de l'eau, il y en a toujours quand on cherche. Alors j'évite l'eau en bouteille, parce qu'elle est aussi polluée que l'eau du robinet. J'avance, je suis plus qu'à 18 km de JV. Donc là je suis à Matagne-la-Grande, je vais passer Matagne-la-Petite, et puis je vais sur JV. Là, je viens de faire une pause de 20 minutes, une demi-heure pour recharger un peu mon chargeur nomade avec le soleil, avec le panneau solaire, et je suis reparti. Alors, ça commence à tirer dans les jambes. Et au fait, je me rends compte d'une chose, c'est que la douleur, elle est mentale. Donc, c'est le cerveau qui crée la douleur. Je vais vous donner un exemple tout bête. Hein, quand vous êtes coupé le doigt, au bout de 2-3 jours, vous n'y pensez plus. Et il suffit qu'on dise, au fait, ton doigt, ça va. Ça fait mal. Voilà, tout simplement. Et pour plein de choses. Hein. Donc, comme la douleur, elle est mentale. Moi, ce que je fais, je rentre dans mes pensées. Je pense plus à mes jambes. Et j'avance. Et je regarde pas loin. Parce que si vous regardez loin, vous voyez rien avancer. Regardez le sol. Ou un petit peu autour de vous. Mais évitez de regarder loin là-haut. Et là, vous allez voir que les kilomètres, ils vont défiler. Donc, moi, c'est ma technique que j'ai trouvée. Je sais pas laquelle est la vôtre. Moi, c'est une technique que j'ai trouvée. Bon, par moments, j'accélère, je ralentis. C'est pas évident de trouver un rythme régulier quand on marche. Donc, quand je vois tout ce que j'ai fait là derrière, je suis déjà 5 km 300, je suis bien. Voilà. Et l'avantage, après, quand vous relevez les yeux pour voir où vous en êtes, ah ouais, j'ai bien avancé là. Donc, ça redonne un petit gain d'énergie. Et n'oubliez pas aussi, c'est de bien vous hydrater. Et il existe des barres énergisantes. Ça fonctionne bien. Évitez tout ce qui est Red Bull et tout ça, qui vont vous donner un coup de fouet sur une demi-heure et puis basta. Que les barres énergisantes vont vous en donner pour 2-3 heures minimum. Voilà. Voilà ma petite astuce, mon petit truc à moi pour pouvoir avancer sans me démoraliser. Vous pouvez chanter aussi. 5 km à pied. Allez, je continue. Bon les amis, je vais te sursauter. J'étais pris dans mes pensées en train de regarder un peu là. Sur la gauche, regardez, tout est cassé. Tous les arbres sont explosés. Je me demandais ce qu'il avait bien pu faire. Tout se cassé, regardez. Il n'y en a plus un qui est... J'étais pris dans mes pensées, il y a un vélo qui vient de passer. Et le mec me crie « Bonjour !» J'ai fait un de ces bons. Un truc de malade. Et ça, c'est parce que ça fait plus de 24 heures que je suis seul. En train de marcher sur un chemin où je ne croise personne. Et mon cerveau se dit tranquille, marche, peinard. Et pourtant, j'entends les oiseaux et tout. Donc j'aurais au moins dû entendre le vélo ou quoi arriver. Rien, que dalle. J'ai fait un de ces bons. Il a souri. Moi, moi un peu moins. Voilà. Bon ben le soleil se cache, on a un énorme nuage là. Faut absolument que je mette rechargé et mon téléphone et ma batterie nomade. Donc prochain arrêt c'est pour dîner. Oula, ma batterie est presque épuisée. Bon allez, à tantôt. En arrière j'étais à Mariembourg, 12 km. Là je viens de passer Matagne-la-Petite et je vais par là. Voilà, les castors sont de retour dans notre région. En voici la preuve. Il a bien strouillé. Hein.
Pause dîner. J'ai tordu mon tarp. Là, je vais m'arrêter pour manger. Je suis à 11 km de marche ce matin. Donc, c'est bon. Il est midi moins le quart. J'arrête pendant une heure. Bon, mes amis, vous me croyez ou pas? De toute façon, vous allez voir. Eh ouais. Les grêles. Les petites grêles. Donc, je viens juste de percer chez mon tarp. Je vais le replier. Et le gros nuage qui est juste là au-dessus me fait tomber de la grêle. Bon, ma popote est prête. Aujourd'hui, ça va être du riz cantonais. Pour le midi. Là, je fais recharger mon tel. Bonne pause d'une heure. Alors, on va se manger. On va se manger. Hop, cacahuètes. Et surtout, surtout. Les mikados. Voilà, mon poulet basket est prêt. Il n'y a plus qu'à manger. Yep, on gère même la gamelle. C'est pas dégueu pour du yo. J'ai 2497 km. Waouh. Vous serez mi-juillet alors? Ouais. Ouais. Même avant, je pense. Parce que là, je testais un peu le matériel, je testais mon dos, je testais mes genoux. Et ça va. Donc au lieu de 25, je vais peut-être en faire 30 ou 40. Hein. Hein. Si je suis bien lancé. Si vous êtes bien lancé, que c'est bien à plat et tout, et qu'il n'y a pas trop de difficultés, c'est possible. Hein. C'est possible, hein. Donc je serai peut-être là avant, je sais pas, on sait rien dire, on sait pas dire à l'avance. Hein. Non, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je vais peut-être me reposer un jour de temps en temps, m'arrêter. C'est important. Comme dimanche prochain, c'est Pâques, je pense que je vais prendre un jour de congé. D'accord. Enfin, un jour de congé, un jour de repos. Ouais. Ben, j'espère une fois vous recroiser sur un chemin, on ne sait jamais. Peut-être. Bonne route à vous. Oui, vous aussi. Merci, hein. Au revoir. Voilà, donc cette dame-là, elle fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est partie jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc elle a 2500 km. Elle est partie de Nivelles. Et voilà, là, elle fait un itinéraire par là. Elle va chez une amie, puis chez son amie, elle repart pour aller sur la France et tout ça. Courageuse. Une dame de 65 ans, à peu près. Très, très, très courageuse. Voilà, bon ben moi entre pluie et averse, ben, j'essaye de recharger mon téléphone, j'essaye de prendre un peu de temps pour moi. Le repas était bien copieux, il n'y a plus rien. Alors ici, les mikados, je n'ai pas su les terminer. Là, je fais sécher ma bâche et puis j'en ai marre. Allez, encore 9 km. Et puis j'y serai. Bon allez, j'avance, j'avance, mais le souci c'est que travaux, pont fermé. Alors je viens de lire la circulaire là, apparemment ce n'est que pour les voitures et tout ça, donc je vais tester, je vais bien voir. J'espère qu'il n'est pas loin ce pont là. Au besoin je contournerai, hein, je descendrai à travers bois puis je passerai de l'autre côté, voilà. Allez on teste. Voilà. Je viens d'éviter une averse, donc je vais toujours en route sur Givet. Je pense que je vois la ville de Givet. Alors je regarde voir si je vois le château. Tac, tac, tac. Alors c'est quoi ça? Il me reste encore 5 km. Ouais, ben c'est ça. Voilà, j'arrive bien sur Givet.
Voilà. Donc vous voyez, j'y vais là au fond. Il est où? Là-bas. Là-bas, si j'y vais. Eh bien, pour y accéder, 7 km d'ici. Que je dois tout descendre pour tout rentrer et tout retraverser. Je ne peux pas arriver. Il faut que je passe par JV parce que j'ai plus d'eau. Donc il faut absolument que je passe par JV. Ça, il n'y a pas photo. J'ai dû enlever ma veste. Trop chaud. Sur ma montre, il fait 8 degrés. Mais quand on marche, en plus que j'ai des vêtements tactiques qui isolent super bien du froid et tout. Donc j'ai pas envie d'avoir des vêtements moites, de transpiration. Eh ben, ça fait quand même quelque chose d'arriver. J'y suis copain, mais de voir j'y vais, ça fait quelque chose. Ça redonne un gain d'énergie. Là, je suis à 17 km. Ma montre vient de vibrer pour me dire que je suis à 17 km. Donc, c'est ce que je vous dis. Un minimum 23, donc ça fait 5-6 km. Si je trouve tout de suite, et si je trouve pas, ben encore 7 km. Ouais, le château il est où? Alors il faut savoir que la gendarmerie vient s'entraîner au château de JV. Les pompiers aussi le grimpent. Voilà. J'espère trouver un endroit où dormir cette nuit. En sachant que la forêt n'est pas tout près de JV. Il va falloir marcher, marcher, marcher. Marcher. Encore marcher, toujours marcher. Allez, j'y vais, j'ai plus le temps. Un petit chalet bungalow, je sais pas ce que c'est. Pas mal. Pas mal du tout. En plein de la nature, comme ça. J'aime bien, je kiffe. Bon les amis, voilà. Donc juste là derrière, vous pouvez voir, à JV, c'est un air pour les gens de voyage. Il y a 6-7 sanitaires avec des Porsche. Donc je suis entré, j'ai demandé bonjour, est-ce que c'est possible de... Ah oui, il me dit, il n'y a aucun problème, mettez-vous là. Je dis, c'est juste le temps que la pluie ne passe, et puis je m'en vais, je dis, je ne prends rien. Non, non, il me dit, aucun problème. Puis 10 minutes après, 3 mètres carrés, il me dit... Moi je serai debout, vous mettez pas là, parce que le mec est pas là, il est pas commode et tout. Je sais rien, je me fais que de me protéger. Voilà, il pleut. Ah, mais il est pas commode, moi je serai debout, venez, je vais vous montrer une place. Et il me met sous un truc de panneau publicitaire. Le truc qui protège que l'affiche, quoi. Donc voilà, ben, je suis parti. Donc après, on viendra dire les gens du voyage, mais. Hein? Une fois que c'est leur est acquis. N'est pas le partage hein. Donc ben, je peux voir une caravane de gens de voyage tombé en panne, je pense pas m'arrêter, ça c'est clair et net. Voilà les amis, je suis à l'Intermarché de Gibri, je viens recharger mon chargeur nomade. Pendant ce temps là je me bois deux cafés, un froid, un chaud. Donc l'Inter ne ferme pas avant 2 heures. Donc tout sera bien rechargé, je pourrai y aller. Bon, devinez un petit peu où je suis. Voilà, donc comme vous pouvez... Hop, il pleut. Donc je vais vous montrer où je suis. Et ouais, ça c'est glauque, mais... Voilà, on appelle ça des porte-cercueils. Je suis dans un cimetière, mes amis. Il tombe comme vache qui pisse. Alors je me mets à l'abri. Moi, mon sac. Voilà. Donc dans un cimetière, moi je m'y sens bien parce que... Enfin, je m'y sens bien. Je ressens beaucoup d'énergie positive dans un cimetière. Donc en général, ceux qui errent dans un cimetière me demande plus de l'aide qu'autre chose, donc je leur explique que malheureusement, voilà, ils font plus partie de ce monde et voilà.
Par contre, s'ils peuvent peut-être me donner un petit coup de main à chasser les nuages qui sont tout là-haut, et avoir un beau ciel bleu comme là-bas, ça serait pas de refus, hein. Donc j'en ai profité pour me recharger en eau au robinet du cimetière. Donc j'ai pris ma bifruit Catadine, qui elle est dotée d'un purificateur. Je recharge ma bifruit et puis de là je remets dans ma poche à eau. Est-ce qu'il y a de la poche à eau? Je suis sûr et certain que c'est purifié. Au besoin, je mets encore une pastille de micro pur, mais là ça devrait être bon puisque c'est pour bouillir. Donc là, ben, me voilà bloqué, je suis arrivé à Givet. Normalement, je dois traverser tout Givet. Et on peut faire encore 4-5 km pour atteindre le bois là-haut derrière. Mais vu la météo, j'espère ne pas devoir dormir ici. Je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré, les amis. Moi, je repars avec mes copains. Non. Chacun chez soi. Voilà, donc là au-dessus, vous pouvez voir le château de Givet. Un immense château. Donc c'est là que je comptais dormir, mais on me l'a déconseillé. Donc je vais trouver un autre endroit. Oh putain, ça descend. Voilà, donc je suis bel et bien à Givet, une magnifique petite place. La place de Givet. Givet en France. Voilà ce qui m'attend, les amis. Faut que je trouve un lieu où dormir. Garder le... Je veux dire le vrai mot, le cumulus. Voilà, bon, il faut que j'accélère là parce que... Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai quitté la ville. Ça, c'est l'extérieur de la ville. J'y vais là-haut derrière. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je marche plus sur le Ravel. Donc j'avance. Si c'est tout un terrain comme ça, tout le long, j'avance beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ça change les tournants et tout. J'ai l'impression d'aller plus vite. Et surtout, ça fait moins mal aux genoux et aux chevilles que le macadam. Voilà. Bon, maintenant, je cherche un endroit où piéter. Comme tous les soirs. Allez, on cherche. Yep. Voilà, donc là c'est toujours Givet. Les gens que vous venez de voir viennent de me le confirmer, c'est toujours Givet. Avec le beau ciel nuageux. Regardez un peu cette vue. Voilà. Et regardez. Là où vous voyez la forêt, juste là, c'est la Belgique. Donc je suis plus très loin. Bon, d'après le GPS, demain je monte la grosse colline là. Voilà. Mais pour l'heure, il faut que je trouve un endroit où dormir. Là, donc l'avantage d'être en nature, c'est que juste là il y a un faisan. Hop, vous voyez, et voilà, ça c'est l'avantage d'être en nature et pas sur un Ravel. Bon ben les amis, après 28 km 180 voilà l'endroit où je vais dormir. Voilà, je me suis bien enfoncé dans le champ, c'est véridique, hein, je vais dormir là. C'est pas une blague. Là j'en peux plus, j'ai 28 km de les pattes, là j'en peux plus, j'ai trop mal. Donc dodo ici. Voilà. Voilà, donc après 28 km de marche, voilà, j'ai fait une espèce de tente tipi comme ça, on appelle ça. Voilà, je suis bien à l'abri, couvert sur trois côtés, avec pas mal d'espace à l'intérieur. Donc maintenant on va passer à la popote. Donc j'ai mis un petit peu de tapis pour pouvoir déposer mes chaussures, 2-3 matos. Comme ça le matin je peux déjeuner directement là, sans me prendre la tête. Et j'allonge du bon. Alors regardez le soleil.
du moins déjà le ciel, et ensuite le soleil, attention aux yeux, ça picote, tout simplement superbe. Puis un nuage à l'horizon, le vent vient de par là, il vient par ici. Ils n'annoncent pas de pluie pour cette nuit. Voici la vue que j'ai dans mon tarp. Tout simplement relaxant. La plus belle des télés. Il n'y a rien à dire. Voilà. Il est 10h. Ouais. Pour moi, il est l'heure d'aller au lit. Je suis claqué. Tous mes affaires sont rangées. J'ai bien mangé. Et là, c'est l'heure du dodo, les amis. Allez, à demain.